Les pesticides, ces composés chimiques utilisés dans les champs pour éliminer les organismes nuisibles, saviez-vous qu'ils menacent les écosystèmes d'eau douce? En effet, après avoir été répandus dans les champs, ils peuvent être emportés dans les rivières, par exemple à cause de la pluie, ou encore par infiltration souterraine. Au Québec, on a défini des critères de vie aquatique chronique, ou CVAC, qui correspondent, pour un pesticide donné, à la concentration à ne pas dépasser à long terme pour protéger les organismes d'eau douce. Bon, c'est bien de fixer des limites pour protéger l'environnement, mais est-ce que ça marche? Ça, c'est un graphique qui représente la fréquence de dépassement des CVAC et son évolution depuis 2012 dans 4 rivières du Québec. Eh bien, c'est pas joli joli tout ça. On est toujours au-dessus de 50% et presque toujours proche de 100. Ajoutez à ça que, dans chacune de ces rivières, une trentaine, voire une quarantaine de pesticides différents ont été détectés. Alors, c'est quoi le risque des pesticides pour l'environnement? Sont-ils toxiques? En laboratoire, on peut facilement évaluer la toxicité chronique d'un pesticide. On prend un organisme d'étude qui est supposé être sensible aux contaminants, disons par exemple un gamard. On en met plusieurs dans un litre d'eau et on les expose à notre pesticide pendant plusieurs semaines. À la fin de l'exposition, on mesure par exemple le taux de survie des individus, leur reproduction ou encore leur croissance. On peut tester différentes concentrations en pesticides, puis les comparer à un contrôle où les individus ne sont pas exposés. Ensuite, on peut définir une dose nocive, comme par exemple la dose qui tue 50% des individus. Des tests comme cela, il y en a beaucoup qui ont été faits et qui n'ont pas manqué de montrer les effets délétères des pesticides. Le problème ici, c'est que la plupart du temps, on teste l'effet d'un seul pesticide. Or, dans la nature, il n'y en a pas qu'un seul, mais un mélange de nombreux pesticides. Dans les mélanges, les pesticides pourraient interagir pour amplifier leurs effets. C'est ce qu'on appelle la synergie. Mon but, c'est d'évaluer la toxicité des mélanges de pesticides sur divers organismes d'eau douce. Pour cela, je ferai des tests de toxicité impliquant plusieurs contaminants en même temps. On va constituer des mélanges en pesticides représentatifs de ce qu'il y a dans les cours d'eau du Québec et tester différentes concentrations de ces mélanges sur nos organismes. D'abord, on s'attend à ce que les mélanges aient plus d'effets sur nos organismes que les pesticides seuls. Ensuite, on s'attend à ce que des concentrations croissantes aient de plus en plus d'impact sur les organismes. Avec ces résultats attendus, on voudrait montrer que si l'utilisation des pesticides est régulée et donc que les concentrations dans l'environnement diminuent, cela sera bénéfique pour les organismes d'eau douce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Ecotoc et à tous ceux qui m'aident dans mes recherches. Ciao, ciao!